Salut, c'est Kelena et on se retrouve encore pour une ouverture de booster. Donc, comme dans la précédente vidéo que je vous ai un petit peu spoilé, le PK Boost de Parkage et les boosters. Je vous les montre quand même. Voilà. On va commencer par le PK Boost. Alors, dedans, il y a une carte IX ou JX, holo rare, ultra rare, secret rare. Une carte holo reverse, une carte à 100 PV minimum, une carte à 90 PV minimum, une carte à 80 PV, 7 cartes aléatoires et un ticket Pokémon Online, sachant qu'il n'y a pas de double. Ils ne mettent pas de double, ils font en sorte de ne pas mettre de double. Donc, la petite pub, bon c'est pas une OPSP, hein, mais c'est ma deuxième commande sur Package. Je dois avouer que j'étais très satisfaite de la première. Ça c'est la pub. Hop. Vous aurez le code à la fin. On va commencer. Alors, pas la carte IX ou GX ou loire. Enfin, c'est la première. Et celle-là, lorsque vous commandez, vous la voyez, celle-là. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Dans celle proposée. Elle est tellement brillante que j'arrive pas à faire le... Bon, c'est Flora Mantis. Hein. C'est un de mes Pokémon préférés, donc... Ah, voilà, ça y est. Flora Mantis en rainbow, qui est magnifique. Ensuite, nous avons Bekipan. Ah, j'ai vu du brillant. Le pire Pokémon du monde, niveau apparence. Et en shiny, je vous raconte pas la gueule qu'il a. Et je me souviens même plus de son nom. Scarabrut, le Bizarroi en reverse, voilà, Chenipan, Paras, je sais plus son nom, ça doit être l'échange. Le Evoli, hein, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, petit Evoli? Il est tout moche. Ça, c'est moche aussi. Le petit art en crochet, que je trouve extrêmement moche. C'est dommage. Et ça, c'est cadeau. C'est bon? Hop, voilà. Donc, je vous remonte le Flora Mantis. Si tu voulais bien faire une petite mise au point. Voilà. Le Flora Mantis, qui est magnifique. Qu'on va tout de suite protéger. Et voilà. Ça c'est poubelle. Ça je vais la mettre là-dessus. Donc on va passer au booster. Donc booster, j'ai 2 soleil et lune et 5 ténèbres embrasées. Donc on va commencer par les soleils et lune. Et on va prier très très fort que les soleils embrasés nous donnent un drac au feu. Pas parce qu'il vaut cher, mais parce que j'adore ce Pokémon. Alors. Cadeau. Ah, c'est ombre ardente. Non, c'est pas ténèbres. C'est pareil. Alors, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. 3, 4. Énergie, Cocoyo, si ça voulait bien faire le point, ça ne veut pas aujourd'hui, le point s'il te plaît, ah voilà, Cocoyo, avec le seul son Pokémon où tu payes, Vulnérable Assurance,
à Flamanoir. Très stylé à Flamanoir. Même si c'est pas un trop un Pokémon que j'ai facile. Les petits Hippotrampe. Les petits Bombidou. Coxie. Le Tenmorph d'Alola. Riolu. Relais Optimiste en reverse. Et Azumarill. En rare. Le deuxième ombre ardente. C'est plus facile quand il y a les noms en français, hein, parce qu'il y a certains Pokémon. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça, comme un professionnel. Hein. Une énergie au... Oh, voilà. Alors, Terraclope, Flamoutan, le monde de l'Anakila, Flotajou. Bombidou, Flamajou, et bah donc, on va tous se les faire. Magikarp, le Rattata d'Alola, le Terraclope en reverse, et un Persian en rare. Donc on va passer aux Ténèbres Ardentes, donc j'en ai 5. Je vais garder les Dracaufeu pour la fin. Et on va commencer par celui-là. Qui est magnifique en shiny puisqu'il est en blanc. Et donc je ne me rappelle plus le nom. Alors, 1, 2, 3, 4. Une énergie électrique. Fossile rare. Feuilloutan. Flotajou. Armure. Feuillejou. Le monsieur mime de Galar. Ah, le Parasect en reverse. Et ouh, Eternatus en rare. Eternatus V. Non, mais arrête de faire le focus sur Psychoquack, non. Alors, celle-là, c'est une rare. On passe au Eternatus. C'est bizarre, ça fait plus le focus là que... Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Énergie psy. Voilà. Le et flèche. Je sais plus son nom. Skitty.
un golem, la petite glace. Le petit nounours en reverse. Oh, ou pas en... Voilà. On continue. Alors, 1, 2, 3, 4. Énergie feuille. Big parasol. Peterson. La glace. Le Watt-Watt. Le Watt-Watt. Snubble. Tauros. Un petit Deden en reverse, elle est jolie celle-là. Oui, Hippopotas. On arrive au Dracaufeu. Allez, on prie très fort. Parce que moi, je veux cette carte Dracaufeu. Je la veux, cette carte Dracaufeu, je la veux. Un, deux, trois, quatre. Ouais, j'ai vu un truc. Ouh là là, j'ai vu un truc. Ça fait pas le focus. C'est un peu flou. Donc une énergie feu. Le champignon. Oursaring. Fouinette. Véroni. Encore un champignon. Toxizap. Le Skitty. Le Goupilou en reverse. Ah non. Mais pas de Chiraja. En holo. Une énergie feu, un Pokémon feu, trio piqueur, un solo d'eau. Alors lui c'est clic, Vorastéri, du petit feu, le pigeon, le Goupilou en reverse et un Dratak V. Bon, on n'aura pas eu le Dracaufeu, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Bon, t'es bien parti, hein. Énergie feu, Pokémon feu. Il y avait un peu trop de Pokémon feu, peut-être.
Bon, mais voilà. Alors, petit spoil de la prochaine vidéo. Alors, ça sera une grosse vidéo. Une très très grosse vidéo. Voilà pourquoi. C'est un display, voilà. Avec plein de cartes. Allez, je vous laisse sur cette image. À plus!